joue aujourd'hui à Hello Neighbor 2. Wesh! Je suis en train de faire une enquête sur le voisin. Attendez, 1984? Ouais, c'est insane, j'ai l'impression d'être dans un vrai escape game, je surkiffe. Non mais arrête! Non mais là c'est du harcèlement! Mais là t'es d'homme, c'est du harcèlement maintenant! Allez, je me casse, poteau. Succès, affaire résolue. Attends, mais j'ai gagné le premier niveau, je rêve. Les amis, on continue. Hello Neighbor 2, on est dans la cave. On doit a priori trouver une certaine clé pour se barrer d'ici. Je sais pas exactement ce qu'on doit faire. Oh, bah attends. Bah attends, mais je rêve. Mais la clé, elle était pas là avant. Elle a spawn. Attends, bah voilà. Hop. Oh, on est la nuit. Oh. Oh. Elle peut mi. Oh. Mais qui a envoyé ça? Oh, il y a des avions. Il y a un mec, il a envoyé des avions en papier. Attends, mais ça vient d'où? Ah, mais il y en a plein pas. Ah. Ah. Ah, ouais, mais il a vraiment besoin d'aide, le poteau, hein. Attends, mais ça fait bader, frère. La tête d'homme. En plus, je sais pas pourquoi, les gars, mais chez moi, il fait froid. Et du coup, j'ai des limites, des frissons de froid sur les bras. C'est horrible. Il y a vraiment des secrets qu'on doit découvrir, frérot. Ils ont l'air lugubres. Ok. Il y en a de moins en moins là. C'est sûr, c'est là. Oh, sa mère. Là, on est clairement passé sur un jeu d'horreur. Mais non, mais le mec à l'intérieur de ça, il a pas besoin d'aide. C'est moi qui a besoin d'aide là. Oh, il y a une pelle. Ok. Oh. Oh là, prends une animation là. Hein? Hein? Il se passe quoi là? Quoi? Hein? Oh. Oh! Y'a plus de courant? Oh! Dans la tête d'homme, c'est quoi? Non. Wesh! Attends, mais ça fait bader là! Hein? La tête d'homme, ça m'avait flippé! Attends, mais c'est juste un cauchemar? Oh, il m'a fait peur! Sous le lit, il m'a fait trop peur! Pourquoi ma porte, elle est cassée, du coup? J'ai peur de dormir, moi, ma porte, elle est cassée! Eh, les gars, ce soir, on va mal dormir. Hein. Moi, je vous le dis. Bonne chance, hein, ceux qui dorment cette nuit. Bah, tout le monde, donc. Qui ne va pas dormir cette nuit? On est d'accord, tout le monde va dormir, là, le chat. Arrêtez, oh là là. Eh, tous ceux qui disent non, égal, vous vivez pour les caméras, les gars. Après, il y en a peut-être, c'est vraiment vrai, si ça se trouve, ils vont travailler cette nuit-là. Et dans ces cas-là, je vous souhaite bon courage, les gars, et vous êtes des kings. Par contre, j'aimerais bien comprendre ce qu'on doit faire, parce que là, attends. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la nuit, c'est un peu paranormal, et il y a le monde du jour. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Faut retourner à la maison du voisin? Non, je pense qu'il faut aller vraiment dans... Est-ce que j'ai l'appel du coup? Ah, j'ai pas l'appel. Mais en fait, je pense que les gars, je me suis évanoui quand j'ai pris l'appel parce que ça a dû me rappeler des mauvais souvenirs. Le voisin, il m'avait assommé avec une pelle. Et du coup, dès que j'ai pris l'appel dans mes mains, ça a dû me faire un espèce de flashback et je me suis évanoui. Je pense qu'il faut explorer ça du coup, non? J'arrive pas à savoir si je suis au bon endroit là. Ah non, c'est fermé. Non, faut pas aller là. Peut-être une autre entrée? Non, peut-être fallait continuer. Hein? Wouah, mec, cet endroit, comment il fait bader? Oh là 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 là. Non, non, mais ça se voit, c'est le dernier niveau. Oh, il y a les corbeaux. Mais j'ai l'impression qu'il faut suivre les corbeaux. Oh. Faut aller là? Oh. Wesh. Attends, mais il y a une boulangère. Je peux aller lui parler, vous croyez? Oh, il y a un petit chat. Oh, je peux pas le caresser. Oh. Attends, il m'a griffé là. Attends, mais du coup, le boulanger, si la boulangère, si elle me voit, elle va me taper. Oh. Oh. Attends, mais les gens, ils font tous flipper dans cette ville. Bon, bah, les gars, j'ai l'impression que c'est ça la prochaine étape, hein. Mais en fait, je crois que chaque bâtiment, ça va être une énigme. Oh. Bonjour. Là, elle devrait être gentille, non? Ok, donc j'ai le droit de venir ici. Par contre, j'ai pas le droit de m'incruster dans sa cuisine, en fait. Ok. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dévaliser la caisse? 2, 3, 4, 8, 9. Ok, ça, les gars, ça sert à quelque chose.
Oh, attends, bah 1, 5. Ah bah non, pas de 1. 15, 76. Ok, c'est pas pour rien ça, hein. Ouais, elle a fait des bons donuts, hein, la boulangère, hein. Franchement, t'as du... Oh. Oh. Quoi? Oh là là. Hein? Wesh, la tête de m'a fait flipper en vrai. Hein? Wesh, la tête de m'a fait flipper. Tu sais, elle m'a fait peur à quel moment? Quand elle a marché sur le côté, mais en me regardant. Elle était comme ça. Le coup de pression, je te jure. Bon, alors j'ai bien compris, il va falloir s'incruster dans son truc et enquêter. Je suppose qu'il va falloir trouver des trucs, les gars, on va bien voir. C'est qui part? Oh. Ok, donc là déjà faut une clé. Oh, ok. Il y a un bracelet. Oh, oh sa mère! Attends, me suis jusqu'à dehors ou pas? Non, me suis pas jusqu'à dehors. Déjà, c'est intéressant à savoir. Ici, il y a un poids, non? C'est pas un poids, ça? Je peux pas le ramasser. Oh, mais attendez, j'avais pas vu ça. Attends. Cette échelle-là, elle sert pas à rien. Cette échelle-là, c'est forcément pour faire quelque chose. Ok. Là, il y a... Oh, un pot de peinture. Ah, ça sert à quelque chose. Le pot de peinture sert à quelque chose, apparemment. Je vois pas... Oh! Bah, voilà. Attends. Je peux pas casser? Attends, comme ça. Hop là! Oh! Par contre, là, elle va 100% monter à l'étage, non? Mais là, je me suis incrusté chez elle. Oh! Oh là, un petit chien! Oh! Oh! Elle est repartie, les gars. Et une petite musique cocooning, hein. Ça va, c'est à l'aise chez elle, hein. Franchement, j'aime bien, hein. Belle déco, hein. Franchement, c'est propre. Ces tableaux, on peut pas les ouvrir. Oh, là, il y a des ciseaux. Bon, en soi, j'ai déjà. Elle est là, là. Oh. Ouais, mais qu'est-ce que je foutais sur le toit? Comment je suis monté sur le toit, frère? Là, il y a deux endroits où faut enquêter. Dans sa cuisine et dans sa baraque. On est d'accord, en plus, elle est à l'étage. Il y a pas des endroits, là, dans la cuisine. Oh. Ah, je peux pas prendre. Attends, mais... Oh, il y a un truc dans... Il y a une clé, non? Oh. Oh, le timing! Attends, mais si je mets le glaçon au soleil... Attends, mais il y a quoi dedans? Si, c'est une clé! Je peux pas le casser, ça! Oh, je sais ce qu'il faut faire. Faut le mettre dans le fourneau. Attends, mais le chat, il joue avec une petite cloche ou je rêve? Elle est là? Non, elle est pas là. Je voulais prendre la clé. Bon, bah tu sais quoi? Pour l'instant, la clé elle est dans le four. Attends, mais elle va fondre, non? J'ai peur qu'elle récupère la clé en dessous mais qu'elle la re... Oh. Ok, attends, là il y a... Oh. Mais wesh, comment elle sait où je suis? Hop. Hein? Je peux pas, je me brûle les mains. Oh, il me faut des gants. Il me faut des gants cuisiniers pour pas me brûler les mains. Waouh, mais elle a les crocs, elle! En fait, elle a compris que dès qu'elle monte, je vais en bas, etc. Attends, y a pas un gant là? Faudrait que je trouve un gant. Il est où son gant de cuistot? Oh là! Je peux pas prendre? Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Mais qu'est-ce que je fais d'une bouilloire? Éteins le feu! Ah, avec ça, vous croyez, faut éteindre le feu? Ah ouais, mais là, je saccage vraiment son restaurant, là. Hein. Je suis vraiment là pour lui gâcher la vie. Non, je peux pas. Ah, il faut mettre de l'eau, peut-être. Comment? Je peux pas allumer l'eau? Ça s'ouvre, ça? Oh! Mais non, mais c'est ça, en fait! Voilà! Oh. Lâche-moi la grappe! Arrête! Oh les gars, attendez, par contre j'ai l'impression qu'on avance bien, hein. Mais par contre, le chat, j'ai l'impression que dès que je descends, il miaule et du coup, il me crame. Alors, sa salle de bain. Attends, mais je m'incruse de ouf chez elle, là, je suis mal... Oh. Ça faut... Oh, bah voilà! Ça sert à ça, le... Oh. Oh. Ok, je sais pas à quoi ça sert, les gars. Je pense que j'ai allumé de l'eau quelque part. Y'a pas un bruit d'eau qui coule? Attends.
Tiens, on suit le tuyau. Oh, attends, je peux découper des trucs là. Ah. Oh. Oh, attends, pourquoi il y a un 5? Il y a un 5. Oh, c'est un... des boutons pour mettre à la caisse. Attends, mais du coup, il y a de l'eau qui coule quelque part là, non? Je sais pas encore à quoi il sert. Bonjour, je suis client. Vous me reconnaissez pas? Sans pas les... Ça me tue, c'est qu'ici, je peux me balader comme si dans un été. Ok, donc là, j'ai rajouté un 5. Peut-être que le... Oh. Ah! Oh, on l'esquive! Oh, l'esquive de génie! Et bam! Qu'est-ce que tu dis de ça, ma grande? Peut-être que le code, c'est vraiment 1-5-7-7-6. Le chat, il sert sûrement à quelque chose. Mais là, il a un truc, là. Donne-moi ça, toi. Attends, la clé, du coup, je l'avais toujours pas récup. Oh, mais elle a rallumé le feu! Voilà. Voilà, parfait. Là, je vais là. Hop. Ah, c'est pas la bonne clé. Donc, ça doit être la clé son journal intime, je pense. Donc, je pense que... Voilà. Voilà. Oh. Elle m'a clairement vu ouvrir son livre, hein. Regarde, elle croit que je suis allé en bas. Elle est intelligente, hein. Elle s'est dit... Ok, elle est repartie par là. Oh. Wesh, mais elle est trop forte. Ok. Ah, mais j'ai juste eu un bouton, en fait. Mais je pense que, les gars, le truc final, il doit être dans la caisse, non? Ok, j'ai eu un 6. Ok, 5-6. Mais par contre, du coup, ça m'aide pas plus que ça, là. Faut que je trouve la clé qui ouvre ça. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a un poisson. Ah, mais le chat, le chat, il joue avec un... Le chat. Il joue avec un bouton, le chat. Il y a une clé sur elle. Quoi? Pour de vrai, les gars? Oh. Attends. J'ai envie de l'analyser, là. Je suis carrément pas discret. Je crois que dans son dos, il y a une clé. Attends, mais même ça, je l'ai pas exploré ici. Il y a l'air d'avoir rien. Oh, le génie! Oh, les gars, one shot, hein! Et du coup, je pense que... Voilà. Ok. Jamais de la vie ça passe ça dans la vraie vie hein. J'ai un poisson, je pense que je vais pouvoir donner à manger au chat du coup. Petit chat. Tiens, tu veux manger? Il veut pas manger? Ah, faut que je mette dans sa gamelle. Voilà. Hop là. Et voilà mon frérot. Le petit chat il s'est régalé. Et bah moi aussi. Hop. Mais en vrai là je suis... Oh. Hey, je suis juste gentil, hein. Hey, la tête de homme, madame, je suis trop gentil, je suis en train de réparer votre caisse. Attends, mais me dis pas que au final, c'est... Je fais tout ça pour lui voler son argent. Donc là, il me manque le 7. Le 7, les gars, c'est en rapport avec l'eau, c'est sûr. J'ai un pot de peinture, je me demande à quoi il sert, le pot de peinture. Ça, ça sert à quelque chose aussi, hein. Ça, si on peut le ramasser, c'est pas pour rien. Mais juste, il n'y a pas d'eau, en fait, dedans. Si ça se trouve, justement, il va falloir que j'arrose quelque chose, je sais pas. Attendez, je vais remonter à l'étage, on va enquêter en haut. Ok. Canap, je peux rien faire avec le canap. Là, il y a un coussin, je peux pas le découper. Là, il y a rien. Ici, il y a rien. On va les monter direct. Et regarde, l'eau, ça fait comme ça. Ensuite, ça fait comme ça. Ah, mais ça sert à faire pousser les plantes, non? Ah, mais attends. C'est pour allumer ça? Oh! Ah, je peux passer par là si je veux. Oh. Ah, mais si! Ok, ça sert à faire pousser les plantes. Ah! Ok, mais en fait, j'ai pas compris. En gros, tout à l'heure, je pense que la plante, elle était tout le temps arrosée. Du coup, je pouvais pas la découper. Et en fait, j'ai désactivé l'eau. Et c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer la lettre qui était dans la plante. Donc en fait, la bouilloire, je sais pas du tout à quoi elle sert, les gars. Ok, attendez. Dans sa chambre, j'ai rien enquêté. Ici, là, y a rien. Ça... Ah, je peux le prendre? Ah non. Je peux changer l'heure. Vous croyez pas que ça peut s'ouvrir, ça? J'ai l'impression que ça s'ouvre et il y a une clé à l'intérieur. C'est certain, faut faire un truc avec ça. Il manque une aiguille. La petite aiguille. Ah, il manque une aiguille. Ah, mais oui, il manque une aiguille. Mais en fait, c'est ça. Faut que je trouve une aiguille quelque part. Pas une aiguille. Ça, non. Le chat, mais il a même pas mangé son poisson.
Là-dedans, y a pas une aiguille? Attends, je peux pas servir un petit... Non, je peux pas servir un petit café. Je comprends pas faire. Elle est montée, là. Non, elle est redescendue. J'ai l'impression qu'il faut faire tourner ça 24 fois. Oh. Comment j'ai fait pour pas la voir? Eh, je suis une galère, je te jure, je suis une galère. Regarde l'heure sur un réveil. Ah, vous croyez qu'il faut mettre l'horloge à la bonne heure? Ok, alors attendez, là, il n'y a pas de petite aiguille. Ah, il est 10h35. Vous croyez qu'il faut mettre ça à 10h35, genre? Peut-être elle est juste là, l'aiguille, non? Parce qu'on n'a rien trouvé en soi, ici. Ah bah regarde, il y a un autre truc avec écrit 10h35. Et il y avait un ciseau aussi à l'étage, j'ai trouvé un ciseau. Ça sert pas à rien. Les gars, il y a des radios rêvées avec 10h35 partout. Moi pour moi... Hein? J'ai fait quoi là? Je voulais... Mais attends, mais je voulais... Mais arrête d'escalader des trucs que je t'ai pas demandé. Mais... Wesh? Hein? Attends, mais si ça se trouve, elle est là. La tête d'homme, si elle est là, je suis un génie. Non, elle est pas là. Mais attends, mais comment j'ai escaladé? La tête de WAM, je voulais même pas escalader. Je vous jure, j'ai jamais demandé à mon perso d'escalader. Hein. Putain, c'est dommage. Ça aurait été stylé qu'elle soit là. Hein. Je l'aurais trouvé sans faire exprès en plus. Mais en vrai, là, comme je vois de haut, je peux peut-être trouver, non? Elle est pas là. Je peux pas découper ses oreillers? Non, je peux pas. Eh hey, gros, j'ai envie de tout découper là. Arrête de tout escalader, mais mon perso il escalade. Arrête! Mais je t'ai pas demandé! Oh mon perso il escalade. Mais arrête! Pourquoi il escalade? Oh là là, mais il me rend fou hein. C'est bizarre, mon perso il est passé en mode. Attends, dans les chiottes? Je peux pas ouvrir. Dommage. Je peux pas découper les plantes. Ça, je peux pas ouvrir ça? La trappe? Oh. C'est pas ces crèmes. Ces plantes là je peux pas les découper. Je sais pas les gars, je vais découper d'autres plantes. Je peux pas hein. Et gros, je dois trouver une aiguille dans une maison. Déjà trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est, tu connais, c'est une expression pour dire que c'est impossible. Mais dans une baraque entière. Attends, t'es pas bien regardé les étagères. Et en plus, elle, elle lâche pas. Hein. Elle est insupportable, la meuf. Le corbeau, il sert à rien. Ça, là, il y a des croissants et tout, ça sert à rien. En fait, moi, je me demande si c'est pas ici. Parce que cette pièce, elle a l'air anodine, mais je suis sûr qu'elle sert à quelque chose, non? Je sais pas les gars, les trucs sur ces murs, j'essaye de... Ça a l'air d'être à l'étage, hein. Ça a l'air d'être à l'étage, je vous jure que c'est à l'étage. Et oh... La tête d'homme, je me suis livré à elle. Non. Oh. Wesh, elle voulait me faire un bisou ou quoi, là? Mais gros, la tête d'homme, elle m'a chopé. Il y a eu un eye contact, il a duré 4 secondes. J'avais réussi à pas me faire choper de toute la game. Oh, je suis dépité. Dès que je vais à l'étage, elle est là. Elle protège trop l'étage pour qu'il y ait rien. Attends. Oh. J'ai même pas fait exprès. Là, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Mon perso, il est trop fort, il joue tout seul. Je crois que j'ai trouvé et que c'est évident. Le pire, c'est que le ciseau, il est là. Mais en fait, frère, ça là. Mais gros, il y a un gros tapis avec un truc là. Mais comment j'ai pas pu m'en rendre compte avant? Ok, du coup, hop. Et du coup, faut que je mette à 10h35. Attends, c'est comment les heures? Donc, hop, 10h. Voilà. Oh, c'était ça, les gars! C'était ça! Et le numéro 7! Et le numéro 7! Eh oui, monsieur!
Alors là, attendez. Parce que du coup, faut que j'aille à l'accueil. Et du coup, il va falloir que je mette 17, je sais plus quoi là. Non, 15,76. Attends, c'est juste ça et c'est fini? Oh. Oh. Oh, il va se passer quelque chose. Ok. Attends, elle est encore là. Ok, j'ai trouvé une clé, mais elle sert à quoi? Attends, on est passé en mode nuit. Oh, j'aime pas quand on passe en mode nuit, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que... il y a des petits trucs, hein. Oh, c'est la clé du manoir. Voilà, les corbeaux, ils sont là-bas. Faut tout le temps suivre les corbeaux. Oh, c'est la clé du manoir. Il est 23h30, il commence à être tard. Je pense qu'on va découvrir ce qui se passe au prochain épisode.